Chapitre 20, psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Nous élevons, levant ton nom pur. Nous élevons, levant ton nom pur. Nous respecter mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu l'as dit toi-même que hors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est pour ça que nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir te connaître, toi, le seul vrai, véritable Dieu. Aujourd'hui encore, tu nous as donné cette grâce, mon bien-aimé Père Tubissant, d'être parmi le vivant, mon bien-aimé Père Saint.
Et c'est vrai, Seigneur Jésus, c'est pour ça que nous te louons aujourd'hui à connaissance de ton bienfait, Père Tubissant, Dieu, d'être encore aujourd'hui debout parmi ton peuple, mon roi, pour exalter ces noms merveilleux et glorieux, Père Saint-Dieu. Parce que, comme Ézéchias voulait dire, Père Saint-Dieu, les séjours de mort ne peuvent pas te louer. Ce sont les vivants qui te louent, notre bien-aimé Seigneur. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ton amour et ta miséricorde qui te conserve pour ceux qui te craignent, mon roi. Béni soit ton nom éternel, notre bien-aimé Seigneur. Merci encore pour ce que tu as accompli encore, Seigneur, pour ton peuple encore depuis la semaine, depuis le mois. Seigneur, c'est vrai, tu fais des merveilles. Et c'est vrai, tes bienfaits sont innombrables, mon Père. Mais nous te disons encore merci parce que nous savons que jamais tu ne laisseras ce qui est à toi de côté. Tu continueras toujours à pouvoir le conduire. Et ceux aussi qui sont à toi auront toujours de la crainte et du respect à ton endroit. Pour que cette unité y soit, mon bien-aimé, Père, conservée par l'unité de l'Esprit, Père. Nous avons cette grâce de pouvoir marcher avec toi, d'avoir la révélation, la lumière encore dans ce temps où nous vivons, Père. Pour que nous puissions marcher avec certitude, mon roi, alors que le monde est vraiment dans les ténèbres, Père. Mais ta lumière à toi nous éclaire encore aujourd'hui, Père. Merci vraiment d'avoir pensé à nous, Père Saint-Dieu, de nous avoir pas laissé dans les ténèbres, mon bien-aimé Père Tubissant aussi. Quand les ténèbres sont là, c'est la confusion totale. Mais tu as dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, Seigneur. Et nous nous réjouissons de cette grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de savoir que c'est toi qui l'as dit. Et si tu l'as dit, tu veilles vraiment sur ce que tu as proclamé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu du ciel, donne-nous encore la grâce, Père Tubissant, d'avoir la bonne santé, Père Tubissant, Dieu, la joie encore davantage, mon roi, et l'amour de ta parole encore, bien-aimé Père Tubissant, pour pouvoir vraiment, Dieu, avoir un cœur ouvert encore en ce jour, pour pouvoir t'entendre et recevoir ce que toi tu nous as donné. Nous ne vivons que pour cela, Père, parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole sur la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Ta parole à toi est une nourriture pour chacun de nos pères, oh Dieu. Béni sois-tu encore pour les chants et les cantiques, l'adoration aussi, Père Saint-Dieu. La joie aussi, Père Tubissant, les danses aussi, Père Saint-Dieu, et oh, l'allégresse encore dans le cœur de ton peuple, Père, en ce jour. Car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant aussi à tous nos frères et sœurs qui sont aussi loin, peut-être aussi près, Père, mais qui sont encore en connexion ce matin pour que nous puissions avoir communion avec eux en ces lieux. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont des moments bénis que Dieu nous accorde la grâce d'avoir. Et nous le remercions vraiment pour ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous réalisons combien demeurer dans la parole et dans la foi est aussi une puissance et aussi une victoire pour chacun de nous tous. Nous remercions Dieu pour la force, pour aussi la santé et aussi l'allégresse et la joie dans notre cœur. Et à pouvoir mettre aujourd'hui pour que nous puissions être là pour le chanter, les glorifier, et surtout aussi qu'il nous aide à ce que nous puissions entendre aussi sa voix, ou que nous puissions nous y conformer à sa pleine volonté. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Et vraiment que vos cœurs soient vraiment aussi touchés par le Seigneur, parce que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, dit, évidemment aussi, qu'il nous donnera un cœur nouveau. Amen. Et nous sommes vraiment dans le temps où il a accompli aussi cette parole depuis les temps que le Seigneur est venu, est entré dans ce monde et qu'il est donc monté donc au ciel. Nous savons que le Seigneur a accompli ce que la parole de Dieu désirait afin que cet homme nouveau vienne effectivement aussi avoir cette liberté de pouvoir être manifesté aussi dans le Fils et les filles de Dieu. Et c'est ce que Ézéchiel nous avait dit. Je voudrais juste dire combien aussi nos cœurs sont touchés, et aussi pour nos frères et sœurs qui traversent des moments très difficiles. Et nous sommes de tout cœur avec eux, parce que comme nous le disons, que ce qui touche à mon frère et à ma sœur, ça nous touche aussi, également aussi. C'est pour ça qu'on nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous aussi avec ceux qui se réjouissent. Quand quelque chose touche un frère, nous devons tous nous sentir concernés. Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Et que le Seigneur console notre sœur Dorcas, qui, vous savez, ce n'est pas facile hein, d'être dans cette condition-là. Je crois que c'est un moment où on a besoin de ses frères et sœurs.
Oui, de pouvoir les voir aussi autour de soi. Et puis bon, considérer que c'est une jeune sœur aussi. Non, jeune dans le sens qui est dans l'âge, évidemment, aussi, parce que c'est notre sœur qui est déjà ici depuis longtemps. Et avec son mari aussi, qui l'a soutenue. Vraiment, que Dieu bénisse mon frère Jean Bosco. On l'a vu vraiment dans son rôle, en fait. Que le Seigneur le bénisse, qu'il console aussi les papas. Je crois qu'il aura toujours besoin de la présence de l'un ou de l'autre aussi pour le voir, l'appeler. Nous avons la fille, la petite effectivement aussi divine. Cet enfant, elle est particulière. Divine, elle est vraiment particulière. C'est l'enfant qui a consolé aussi son père et toute la famille, en fait, par sa position qu'elle a prise. Et elle désirait tout le temps être dans cette assemblée. Et sa sœur m'a dit tout à l'heure, dit que Divine s'est réveillée très tôt et n'a fait qu'appeler parce qu'elle voulait vraiment venir. Et aujourd'hui, elle est là, en fait. Et elle a toujours désiré être dans ces lieux. Que Dieu la bénisse, bénisse aussi sa sœur aussi, ils ont aussi un frère aussi. C'est un des moments très difficiles, je crois que chacun de nous est passé par là. Et que bon, on ressent aussi ce que cela veut dire aussi pour nous autres aussi. Merci pour chacun de vous qui est donc passé aussi là pour les consoler. Par votre présence, par votre geste aussi que vous avez posé à son endroit évidemment aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi notre frère Jean-Marie, le pasteur de Paris. Il était parti donc pour aller voir ses parents et son père n'était pas bien. Alors j'ai reçu un message donc de Paris parce que lui n'était pas là. Il a eu transmettre en fait le message à la sœur, son épouse et ses enfants. Donc ils nous ont envoyé un message. Il a perdu donc son père. Oui, son père est rentré donc à la maison. D'après les témoignages que j'ai eus, c'est que le père de notre frère était un frère en Christ. Où il a vécu au Seigneur, il a cru à la parole de Dieu, il s'y est resté aussi accroché à cela. Et il est donc rentré à la maison, un peu aussi effectivement, parce que le Seigneur a permis que son fils soit là et qu'il bon, qu'il puisse partir aussi dans la paix aussi, après avoir vu aussi son enfant. Donc, ils sont donc éprouvés. Et notre frère est encore au Congo, donc là où il était parti. Il a donc besoin aussi, comme la famille a demandé, beaucoup de prières, parce que là-bas où il est, ce n'est pas facile aussi pour tout ce qu'il doit arriver à pouvoir faire aussi. Comme nous le disons, et c'est vrai, le Seigneur nous a donné, et le Seigneur a aussi repris, que son Saint-Nom soit béni. Nous allons donc prier pour notre frère là-bas, afin que le Seigneur l'assiste. Et aussi pour toute la famille donc de notre précieux frère. Vous les avez vus ici, je pense. Et ça a été une joie pour nous de pouvoir les avoir. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voici, Seigneur, comme un seul homme devant ton trône de grâce, mon roi, pour te dire que tes décisions, certainement, c'est vrai, elles sont donc souveraines. Et nous te rendons gloire et honneur pour ce que toi tu as fait, ce que tu as décidé encore pour notre bien-aimé frère, le pasteur Jean-Marie, ainsi que toute sa famille entière, de pouvoir reprendre effectivement aussi les papas. Et nous avons appris aussi que le papa était vraiment notre frère en Christ, qui a cru en ta parole à toi et qui est rentré à la maison, Père. Seigneur, merci pour tes décisions qui sont sages et tes décisions qui sont vraies. Sois donc béni et exalté encore pour ton amour et ta bonté à notre endroit de ce que tu décide de prendre quand tu veux, et c'est aussi toi qui as décidé de le donner aussi, parce que c'était ta volonté à toi, Père Saint-Dieu. Que notre frère soit donc protégé là où il est, qu'il soit donc aussi consolé et fortifié par toi, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que c'est vrai, il a besoin de toi dans un moment comme ceci, mon bien-aimé Père Tibissant. Beaucoup de choses lui reviennent donc à l'esprit, à la pensée, mon bien-aimé. Mais il veut, il a besoin de désirer que tu puisses encore le soutenir comme la famille l'a demandé aussi, Père. Nous te remercions pour tes offres, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Il appuie à toi de voir par ses décisions, mais que tu puisses aussi les bénir et les fortifier, qu'ils se sentent aussi encouragés par toi et soutenus par ta main puissante. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit donc glorifié. Il a ses décisions. Et c'est vrai que dans certaines circonstances, nous ne comprenons pas tellement très bien.
Mais nous avons appris à pouvoir marcher avec lui, en fait. Et nous ne devons pas poser des questions toujours pourquoi, mais nous devons simplement nous dire que ta volonté soit faite. Et c'est à cela aussi que nous sommes donc appelés, comme nous le disions dans nos prières, que ta volonté soit donc faite sur la terre comme au ciel. Je crois que tout enfant de Dieu, tout un chacun de nous, lorsque il a déjà eu à pouvoir avoir cette relation avec son Dieu, il connaît effectivement aussi la position que il va pouvoir avoir dans certaines circonstances et dans toutes les circonstances, d'ailleurs, qu'il passerait aussi dans sa propre vie. Je voudrais que nous lisions dans les Saintes Écritures, et là, c'est dans le Deux Chroniques au chapitre 9, je pense que c'est cela. Deux Chroniques, le chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 1, Deux Chroniques, chapitre 9, on dit « La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait donc une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit donc auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et le mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses gestations et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux donc tes gens, heureux donc tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône, comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Et c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ce que toi tu es, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu fais des merveilles que... C'est vrai qu'on peut dire des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, parce que toi, tu le manifestes au temps où toi, tu le désires comme tu le veux. Personne ne pouvait penser à des choses ainsi, mais toi, tu le connaissais déjà d'avance et tu les avais déjà annoncées, Père Saint, dans ta manière à toi de pouvoir faire les choses de ce que tu veux, mon bénémoine Père Tubissant. Maintenant, nous sommes à toi aujourd'hui encore pour ce temps que nous sommes et la manière dont tu fais des choses, Père Saint-Dieu. Nous voulons que tu nous conduises encore, que tu nous aides encore à ce que nous puissions vraiment prendre conscience de ta Seigneurie, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et ta grandeur, mon bénémoine Père Tubissant, ta manière à toi de pouvoir, oh Dieu, avoir le contrôle des événements, des circonstances, bénémoine Père Tubissant, parce que rien ne peut t'échapper, Seigneur. Que tu nous aides encore davantage ce matin à pouvoir aussi entendre ta voix quand nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire un récit que je crois que la plupart et beaucoup d'entre vous ont eu déjà pouvoir entendre ou bien connaître aussi en lisant. Mais ce n'est pas une histoire en fait que nous avons eu à pouvoir lire. C'est un événement qui s'est passé à un moment donné. C'est-à-dire que c'était une réalité, en fait. Et les gens ont vécu cette réalité. Et alors, on nous a mis donc par écrit, en fait, ce moment précis pour que nous puissions aussi en avoir connaissance. Parce que quand on parle effectivement d'histoire, ce sont des choses effectivement que les gens ont peut-être inventé quelque chose comme ça, on dit bon, ce sont des histoires, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler histoire avec une grande liberté, des événements qui se sont déroulés, mais qu'on nous relate en fait, ces choses-là. Donc effectivement, là, nous venons de lire
ce qui s'est passé. Et puis, souvent, nous lisons que ça, on apprend aussi effectivement que quand quelqu'un raconte quelque chose, il peut extrapoler. Il peut ajouter des choses, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, en fait, dans ces événements. Donc, il donne, en fait, son commentaire qui est aussi dans la chose, effectivement, que l'on raconte. Donc, il donne pas vraiment les détails précis, mais il ajoute, en fait, ce que lui, il a eu à pouvoir le toucher d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, dans ce sens. Alors, mais ici, là, nous avons, effectivement, une grâce particulière, ce que l'auteur lui-même, donc la personne qui a eu à pouvoir vivre ces choses et ces événements, qui a eu à pouvoir le mettre donc par écrit. Alors, quand j'ai dit aussi c'est l'auteur, effectivement, je pense au Saint-Esprit, en fait, qui lui, donc, à l'Esprit du Seigneur, qui lui a eu à pouvoir maintenant conduire les hommes à mettre donc par écrit. Par exemple, si nous prenons dans l'Ancien Testament, donc, dans la livre, vous savez, le livre de Genèse, on l'appelle livre de Moïse. C'est ce qu'on appelle. C'est comme ça qu'en fait. Alors, la Genèse, par exemple, Moïse n'a pas vécu la Genèse. Quand on nous dit qu'au commencement était la parole, Moïse n'était pas là. Mais c'est l'auteur, effectivement, qui a pris Moïse, effectivement, Dieu lui-même. Il dit, voilà, je veux maintenant te dire ce qui s'est passé. Et que toi, c'est pour ça qu'on l'appelait les cinq livres de Moïse. Donc que toi, tu mettes par écrit, comme moi je te l'ai dit, que tu le mettes donc par écrit. Donc c'était un homme qui devait demeurer fidèle aux choses que le Seigneur, notre Dieu, lui donnait en fait. Parce que ces choses étaient d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que nous l'apprenons aussi dans la lumière qui nous est donnée donc dans le livre de Jean au chapitre 1, qui nous dit qu'effectivement au commencement était la parole, donc c'est le même Dieu qui prend aussi, Jean dit, au commencement était la parole, donc et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et en elle était donc la vie. Donc la vie qui est dans la parole ne peut pas être la vie d'un être humain. C'est la vie de Dieu dans la parole. Donc effectivement, la parole a un poids énorme. Ce qui veut dire que si ça doit être donc rapporté, effectivement, il faut que ça soit dans le moindre détail. Que rien ne soit même ajouté, même pas petit. Hein. Ça veut dire qu'aussi qu'effectivement, que même dans l'esprit de la personne qui la donne, quand la personne la fait sortir, elle doit rester effectivement dans avec son potentiel, c'est-à-dire qu'avec sa puissance, comme Dieu l'a donné. C'est-à-dire que dans l'esprit, c'est pour ça que nous regardons dans les Saintes Écritures, parce que parfois nous ne comprenons pas, et les gens pensent, oui, on ne veut pas que je fasse ici. Non, 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 non. Il y a des tâches que toi, tu ne peux pas faire. Tu peux te trouver, toi, capable de faire ceci, mais non, ça, Dieu ne t'a pas dessiné, parce que si on te donne ça, tu feras des dégâts. Parce que les choses de Dieu sont précises et importantes. Et tout le monde sait quoi capable de pouvoir faire. Mais non. Tous n'ont pas la capacité, même si physiquement, humainement, par là, avec l'intelligence, tu peux arriver, mais tu ne peux pas arriver à pouvoir toucher ce que Dieu ne t'a pas donné. Regardez qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie. Je pense que Jérémie, au chapitre 1, on peut le lire, en fait, pourquoi nous puissions donc voir cela aussi. Donc, Jérémie, chapitre 1, je pense, oui, c'est ça. Voilà, c'était ouvert. Voilà, si donc, si c'est. Jérémie chapitre 1, si nous disons. Voilà. Voilà. Chapitre 1, verset 4. Si vous y êtes, d'accord. Voilà, il dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ah, c'est à Jérémie hein, que le Seigneur, cela parce qu'il dit, parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs, ainsi de suite, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, c'est le parle de Jérémie. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, c'est le Seigneur qui s'adresse à lui. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Vous entendez cela? Donc, avant même qu'effectivement, qu'il soit formé. Donc, qui viennent donc à l'existence. C'est ce que ça veut dire. Hein?
Donc là, et puis il nous fait avoir dit, donc je te connaissais. Donc effectivement, si Dieu le connaissait avant qu'il puisse être formé, c'est que c'était la volonté de Dieu que cet homme vienne. Est-ce que vous suivez? Alors il dit, et avant que tu fusses sorti de son sein. Donc, lorsque tu as été formé par ma volonté, donc si j'ai voulu que tu sois là. Alors, et puis, là à l'intérieur, effectivement, tout le travail a été fait à l'intérieur. Parce qu'il dit que avant que tu fusses sorti, donc avant que tu sois à l'extérieur, moi j'ai pris soin dans le moindre détail de faire de toi et à l'intérieur de toi. Et j'ai placé des choses telles qu'effectivement que rien ne peut arriver à pouvoir briser ces choses à l'intérieur. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est que vous, on ne devient pas, mais en fait, on est né spécifiquement pour quelque chose. Si c'est pour une tâche de Dieu, on est né pour cela. Parce que votre propre intérieur, toi et la chose que tu dois arriver à pouvoir faire, vous êtes quand même un. Et si, nous allons voir ici, si vous devez, pardon pour nous prédicateur, si tu dois apporter la parole de Dieu, très vrai, sincèrement et très la vérité, comme nous le disons, Dieu t'a déjà préparé d'avance, il a fait en sorte que toi et la parole, vous soyez identiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu, être extérieur à ce que tu prêches. Donc c'est ta vie en fait. Que tu es en... Mais c'est la vérité. Parce que, il doit être con. Parce que Dieu ne peut pas faire d'erreur. Non. Quand Dieu pose sa main, il sait effectivement très bien ce qu'il fait. Alors, il dit ici, donc il dit, mais avant que tu fusses sorti de son sein, parce qu'on ne va pas te refaire à l'extérieur. Il dit, moi je m'occupe de toi maintenant. Donc dans l'intérieur où tu es, donc je fais tout ce qu'il y a pour que quand tu vas sortir, tu sois pleinement parfait. Amen. Pour la tâche, effectivement, que tu vas accomplir. C'est pour ça, frères et sœurs, ce n'est pas nécessaire d'aller dans les écoles bibliques. Non. Pour aller, je vais étudier Dieu. Non, déjà dans le sein de ta mère. Amen. Oui, monsieur, oui, madame, c'est la vérité, frère. Dans le sein de ta maman, là où tu étais là, Dieu a travaillé, il a imprimé lui-même ce qu'il est dans ton âme, monsieur. Oui. C'est pour ça que les gens sont étonnés. Ils disent, mais pourquoi vous n'allez pas à l'église catholique? Quand j'étais dans le ténèbre, on m'a mis à mener, mais au fond de moi, je ne savais pas, mais Dieu avait gravé quelque chose. Frère, il est impossible que tu sois dans une église de l'Université, que tu puisses quitter pour t'accrocher à la parole pure de Dieu. Ce n'est pas possible si Dieu n'était pas en toi. Amen. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. De toute façon, il n'y a pas les hasards dans les choses de Dieu. Et Dieu ne te choisit pas par hasard. Non, messieurs, je vous en supplie. C'est la vérité. Parce que quand il a dit à Pierre, il dit, mais pourquoi vous ne nous allez pas vous autres aussi? Parce que tous ceux qui me suivaient, ils sont partis parce qu'ils ont trouvé que je suis dur. Et mes paroles sont dures, effectivement. On ne peut pas supporter parce que ce n'est pas normal. N'est-ce pas? Vous vous souvenez, non? Pierre a répondu. Et personne ne l'avait obligé de pouvoir le dire. Vous savez, c'est sorti comme ça de Pierre, hein? Il regardait, il dit, mais ah, qu'il y a une autre d'autre qu'à toi. En fait, ce n'était pas qu'effectivement qu'il disait pour lui faire plaisir. Non. Il dit que Pierre, dans son intérieur, là, il a goûté, il a dit, mais c'est Jésus, je ne peux pas aller autre part. Même si c'est dur, même s'il frappe, mais on sait qu'il y a quelque chose qui vient de lui. On ne peut pas expliquer, mais il y a quelque chose qui nous attache avec lui. Et puis lui, calmement, il le regarde, il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Non, est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup ça. Il dit, mais si je vous ai choisi, c'est qu'avant que vous veniez dans ce monde ici, mais je vous connaissais, vous étiez équipé, monsieur. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Ah ben oui. Taillé, bien sûr, mon frère. Mais la Bible est plus que claire que cela. C'est sûr et certain cela. Il a dit, parce qu'on a dit que en lui, Dieu nous a. Donc en lui. En qui? C'est en Jésus, non? En Christ notre Seigneur.
Donc quand il vient, quand il appelle, c'est pour ça que quand il pointe, effectivement, il sait. Vous n'avez jamais remarqué, je reviens ici à ce que nous disons, je vais continuer avec Jérémie. Mais vous n'avez jamais remarqué, frère et sœur. Les apôtres, pendant que c'était avec les Seigneurs, pendant qu'ils partaient marcher, effectivement, est-ce que vous avez déjà vu, effectivement, commencer à se bagarrer entre eux? Comme par exemple, je n'ai pas par exemple le jour de la Pentecôte. Oui, ils étaient 11. Parce que l'autre, là, les démons, vous connaissez, non? Et regardez bien. Avant qu'on arrive à ce point-là, le Seigneur était avec eux dans le Jourdain. Donc au Jourdain, c'est pour ça que nous sommes dans le voilà. Alors il dit, mais qui dites-vous donc que je suis moi le Fils de l'homme? Vous vous souvenez? Les indices, et puis il a rappelé, mais vous qui êtes avec moi, qu'est-ce qui vous dites que moi je suis? Simon Pierre a répondu. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils Jonas. Car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Il dit, mais sur cette révélation-là, moi ici, je bâtirai mon Église. Et les policiers de moi ne prendront point contre elle, n'est-ce pas, non? Il dit, mais je te donnerai les clés du royaume. Donc, monsieur, vous connaissez, non? Ce que tu vas lier sur la terre sera donc. Ce que tu délieras. C'est vrai. Donc, je te dis, ce jour-là, ce que tu vas dire, ça sera acté. Oui. Mais Dieu savait très bien que ces pierres-là ne pouvaient pas dire autre chose que lui voulait qu'ils disent. Amen. Amen. Ah, mais le frère et soeur, Dieu ne va pas lier ce qu'un homme, un être bien avec son intelligence, peut dire quand même. Non. Alléluia. Amen. Donc, avant que Pierre ne vienne au monde, alléluia, il avait fait en sorte que pour ce jour-là, alléluia, l'humanité soit fermée à lui. Frère, il a le contrôle de toutes choses. Vraiment, le contrôle de toutes choses. Il contrôle, il dit, pour que ce jour-là, alors ce qui va sortir, c'est ce que moi j'ai dit, mais qui est gravé au ciel en toi. Alors, ici, regardez bien, il dit, ah oui, tu continues d'abord, regardez bien, très bien. Et ces jours-là, les temps ont passé, n'est-ce pas? Puis il est mort, il est ressuscité, il est monté, et puis il leur a dit, allez, dans la chambre haute, attendez jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Ils ont été obéissants. Les jours de la Pentecôte, un vent impétueux, puis des langues de feu, puis sont tournées des années, et puis, vous savez, ils commençaient à prophétiser, blablabla. Mais maintenant, quand ils faisaient, ça s'agissait maintenant d'apporter la parole. Vous n'avez pas remarqué? Il y avait Jean. Il y avait Jacques. Il y avait tout cela qui était ouais, effectivement. Vous vous dites, mais c'est les gars. Ah, on va commencer à prêcher à gauche, à droite. Non, 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 non. Non, 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 non. Tous, non, Dieu est grand. Tous, ils étaient là, effectivement. Il n'y a aucun qui a eu pour dire, ah, je vais parler. Non, 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 non. Mais c'est Pierre. Parce que imaginez, prenons l'exemple, que ce soit Jean qui se soit levé. Je donne un exemple. Sous l'impulsion de pouvoir dire, ah moi j'étais avec lui, mais c'est sous l'impulsion avec Jean. Mais qu'est-ce que Jean allait à pouvoir dire? Parce que le Seigneur lui a dit, je te donnerai les clés à Pierre, pas à Jean. Ben, mais quand les gens sont venus poser la question, oh frère, qu'est-ce qu'il faut? Si il posait cela à Jean, qu'est-ce que Jean allait répondre? Non, parce que qu'est-ce que Jean allait répondre? Vous voyez, frères et sœurs, dans le chose de Dieu, il ne s'agit pas de l'humain. Dans les églises dénominationnelles que vous pouvez fabriquer, vous, ça, vous faites ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de là où Dieu agit, laissez Dieu dans son œuvre et d'accomplir ce qu'il veut faire. Mais c'est long. Même si c'est le choix de Dieu ne vous plaît pas, Dieu ne cherche pas à vous plaire. Dieu cherche les choses qui sont conformes à sa volonté. Ah oui. Parce qu'on dit que ce qu'il a connu d'avance, toi tu ne le connaissais pas. Mais c'est toi quand tu vois, ah celui-là il est bon. Non, non. Ce qu'il a connu d'avance, il les a déjà prédestinés. Donc il suit donc son programme. Jamais il peut déroger à son programme. Il suit son programme. Il ne fera pas ce que lui, toi tu attends de lui. Oui, de Saül, oui, il peut faire cela. Et Saül peut faire tout pour pouvoir vous plaire. Mais Dieu ne fera jamais cela. Dieu, il a un programme. Parce qu'il suit sur autre chose. C'est comme ça que tous n'ont pas eu. Et c'est là quand vraiment la chose de Dieu est dans l'intérieur, il n'y a pas de guerre.
Non. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tribulation. Non. On sait que Dieu a eu à pouvoir dire. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que si la chose de Dieu au-dedans de vous, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, mais c'est toujours à la parole qui se réfère. Qu'est-ce qu'on nous dit effectivement que vous avez le consolateur, l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous conduire dans la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jamais le Saint-Esprit ne pourra vous conduire. Non. Parce que son travail, c'est de pouvoir vous garder en ligne. Ah oui, que Dieu te bénisse. Donc c'est ça, donc c'est demeurer là. Donc, que, alors quand lui, il a établi un ordre. Ah oui, mais quand le Saint-Esprit a établi un ordre, qu'il a eu un pouvoir thème. Mais quand moi j'ai le baptême du Saint-Esprit, je ne peux pas aller en dehors de l'ordre. Ah oui, peu m'importe, même si on descend. Mais là. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quelque chose de tellement merveilleux. Il dit, mais quand bien même un ange descendrait du ciel. Bon, bref, regardez maintenant ici. Nous retournons dans Jérémie au chapitre 2, parce que nous avons lu des chroniques. Alors il dit, mais avant que je te connaissais, donc, et avant que tu fusses sorti de son sein, vous suivez, je t'avais donc consacré. Tout ça, c'était avant, hein. C'est pas parce que vous pensez que bon, quand il est sorti, non. La Bible est claire, il dit, mais avant que tu fusses sorti, être enfanté, quoi, hein, de son sein, vous comprenez cela? Je t'avais consacré et j'avais fait quoi? Je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors maintenant, qu'est-ce que l'école biblique va faire de toi? Qu'est-ce que le col biblique va faire? Même s'il te donne des grands diplômes, que tu es docteur en théologie et établi comme prophète, effectivement, aussi, parce que j'entends beaucoup aujourd'hui, surtout au Congo, en Afrique, il y en a tellement à la sauce, à l'appel, effectivement. Homme de Dieu, prophète, tel. Quand tu regardes prophète en question, tu dis Seigneur Jésus, ah, que ton nom soit béni, aie pitié des gens, parce que ça, ce sont des insultes. Il y en a de ceux qui ont déjà mis, je ne sais pas moi quoi, sur le visage, et quand il avait dit prophète, donc j'ai dit, mais je comprends, hein, parce que ce sont des prophètes qu'on trouve dans les écoles. Oui, parce que si Dieu ne t'a pas donné cela, comment peux-tu les devenir? Mais ils sont dans les églises. Et si vous saviez combien les gens leur donnent de l'argent, si vous saviez combien de bâtiments ils ont, si vous savez combien les églises qui bâtissent aussi les grandes, effectivement, tout ça. Oui, c'est vrai. En Afrique, c'est... Moi, je me suis dit, mais mon Dieu, aie pitié. J'ai dit, mais ces gens en Afrique, ils sont pauvres. J'ai dit, mais les gens n'ont même pas pitié, en fait. Hein? Ces personnes-là, en fait, c'est parce qu'ils n'ont rien d'un berger. Ah oui, c'est vrai. Ils n'ont rien d'un berger. Ce sont de loups ravisseurs. Ils viennent simplement avec la peau de brebis. Et le troisième a pour dire que non, voilà, et ceci, et puis bon, ben, et puis, ça marche bien. Je me souviens une fois ici, donc, il y avait une personne qui était venue donc ici pour nous. Ben, voilà, le Seigneur a permis qu'on puisse se rencontrer là-bas, quelque part là, et puis bon, il est venu, ben, il est touché, resté ici. Et puis, chaque fois qu'il venait dans mon bureau, c'est terrible, ben, bref, et Dieu accorde la grâce, que Dieu nous aide. Est-ce que nous devons connaître effectivement les choses? Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est les gens vont mal penser. Alors, j'ai dit que je continue ici. Il dit, ben, qui fut sorti de son sein, il dit, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que tu penseras. Non. Alléluia. Tout ce que je t'ordonnerai. Alors, mon frère et ma soeur, il ne faut pas qu'on puisse avoir la démagaison. Je vais prêcher, je vais, qu'on voit un peu un groupe là, je vais exhorter. Frères et sœurs, pour l'amour du Seigneur Jésus, asseyez-vous. Vous n'allez pas rendre des services aux frères et sœurs, hein? Non. Parce que quelqu'un qui s'abrûle comme ça, je vais prêcher. Frère, il y a un problème quelque part. Ça, c'est ce que je vous dis. Mais le problème, c'est aussi vous, hein.
Mais c'est vous, vous mettez sur le pédestal n'importe qui, n'importe quoi. C'est vous. Le problème, c'est vous. On a beau vous prêcher la parole de Dieu, c'est toujours vous. Frères et sœurs, vous devez quand même comprendre que... Et je disais, je ne sais pas quel frère que je disais là, au bonjour, c'est... Vous savez, quand quelqu'un est sous une onction, une fosse, déjà s'il est en faux, mais c'est que tout ce qu'il y a de mauvais, parce que dans des faux enseignements, il y a toujours des démons avec. Chasser la vérité, parce que les faux enseignements ne peuvent pas venir du Saint-Esprit quand même. Hein, parce que vous avez difficile de croire cela, ainsi de suite. Mais non, c'est que les faux enseignements ne viennent que des démons. Donc quand les démons sont donc à la base, et que la chose, la personne effectivement sous cette onction, effectivement, ça fait, et que bon, vous êtes, donc là, dedans, mais vous êtes aussi sous la même emprise. Oui, des démons vont vous tourner, effectivement, et puis vous perdez les nords. Comment est-ce que les gens passent de la saine doctrine à... Hein, parce que c'est une balance. On se balance comme ça. Donc on était comme ça, et puis à ce moment, quelque chose qui est fait passer, bah, paf, boum. Alors là, c'est autre chose qui entre en vous. Ah, vous êtes là, alléluia, mais en fait, mais vous êtes déjà sous l'emprise des mauvais esprits. Parce que vous avez accepté d'agréer quelque chose qui n'est pas conforme. Et c'est ça. Ne jouez pas avec ces choses, mon frère et ma soeur. J'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est bien. Mais les jours où vous partirez dans le cercueil, vous serez seul. Il faut que vous posiez la question. Il ne faut pas être là pour faire plaisir parce qu'on doit mener. C'est important. Vous ne direz jamais, Seigneur, parce que quand vous serez là-bas du jugement, vous direz, Seigneur, nous n'avons jamais entendu. Vous l'entendez maintenant. Il faut arrêter. Il faut que vous sachiez prendre position pour la parole de Dieu. Dans ces bas-monts, c'est absolument nécessaire. Vous vous souvenez d'abord, quand on vit dans les années 80, et ce que le Seigneur a dit ici, effectivement, il a veillé. Vous voyez que Jérémie, quand Dieu-même lui a même prouvé qui il était, Jérémie, il n'a pas dit, alléluia, je veux maintenant vous montrer, mais non, il dit, Seigneur, je suis qu'un enfant. Je ne sais même pas parler, effectivement, aussi. Et lui, il s'est dit, non, tu iras où je t'enverrai. Et tu diras certainement ce que je t'ordonnerai. Donc cet homme, effectivement, aussi, il a montré sa faiblesse, effectivement. Bien sûr, il faut qu'il soit dans la faiblesse. Parce que si tu dis que moi, je suis capable, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu te sens, c'est comme si tu as déjà avalé beaucoup de livres, effectivement. Et puis tu dis, je connais. Mais tu ne connais pas vraiment ce que Dieu veut que tu connaisses. Oui, c'est toujours dans l'humilité. Je n'en sais rien, Seigneur. Ce que tu veux, c'est ce que je veux me laisser conduire. Oui, mais je t'ordonnerai dans ce que moi, Seigneur, je t'ordonnerai. C'est que Dieu te dira, effectivement, de pouvoir dire au peuple. Mais ce n'est pas la chose qui doit te plaire, toi, en tant que vaisselle. Enfin, vaisselle, je veux dire que... Enfin, en tant que vase, je me signe, que Dieu te bénisse. Vase, pardonnez-moi, c'est simplement parce que je ne sais pas avec qui j'ai parlé en anglais. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Et donc, c'est-à-dire qu'en tant que vase, ça, c'est pas que ça doit me plaire moins pour pouvoir arriver à pouvoir dire, je veux le dire. Que ça ne me plaise pas, que ça me plaise ou pas, moi, mon problème, ce que le Seigneur, ce que le problème, c'est que tu dises. Amen. Ah oui. Tu dises effectivement la chose comme Dieu. C'est Jérémie ici, il a beaucoup souffert. Hein? Ah oui. On l'a frappé, on l'a... Enfin, on va des pieds. Donc, ça dit que Dieu dit que ce que moi, je t'ai dit de dire, tu vas le dire. Souvenez-vous encore, je pense que ça doit vous rappeler quelqu'un. Moïse, non? Moïse, quand Dieu... J'ai toujours été... Vous savez, les gens répètent toujours ça. Mais moi, j'ai toujours été quand même touché et profondément étonné aussi de voir... Quand je compare évidemment avec l'humanité aujourd'hui. Quand on compare aujourd'hui aussi. S'il y a aussi un milieu où les désordres ne pouvaient jamais régner, mais qui règne encore beaucoup plus, c'est dans ce message du temps du soir. Les gens, je souffre beaucoup quand je regarde ça. Bon, ça c'est ma souffrance, ça c'est pas votre problème. Hein, mais c'est la mienne. Et là, j'ai dit... Quand bien même, tu peux même regarder un frère. C'est ça qui est triste.
une fois qu'il a commencé à lire et qu'il connaît quand même beaucoup plus effectivement dans les brochures, il se sent toujours prédicateur. Mais Dieu ne t'a pas appelé de prédicateur, frère. C'est le désordre qui est rentré, effectivement. Alors que Dieu a vraiment parlé clairement. Ah ben oui, frère, plus clair que cela. Pas. Mais c'est là-dedans, effectivement, aussi que les gens, ils mettent du désordre, effectivement, avec la démagétion. Toujours, moi, là, je vais passer. Et tout le monde, je vais faire. Mais en fait, c'est toi qui veux faire. C'est toi qui veux parler. Mais puisque tu cites simplement les Écritures, évidemment, les gens aiment les Écritures. Mais en fait, ce que tu as derrière l'esprit, c'est ce qui est dangereux parce que ça se transmet chez les gens. Ah oui, parce que ce qui sort, ce n'est pas quelque chose qui est de Dieu, parce qu'il y a quelque chose de mauvais de s'aimer dedans. Est-ce que vous suivez? C'est absolument nécessaire. Alors, là, Moïse, lui, effectivement, est-ce que vous suivez? Amen. Vous êtes dans la parole, hein? Amen. Vous suivez que c'est la parole, hein? Amen. Merci, parce que je lis avec vous. Oui. Parce que, qu'on vous dise pas, oh, le frère, mais que c'est la Bible. Voyez-vous, frères et sœurs, il faut que vous compreniez une chose. Il y a beaucoup de gens dans différents pays qui sont connectés. Et la responsabilité, c'est que ça soit simplement la parole de Dieu. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la taille de la responsabilité. Parce que vous pouvez mourir et faire mourir les autres. Donc ça ne doit pas être un parti de plaisir pour qu'on dise « Ah, il a porté et ça fait… » Non, 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 non. L'objectif, c'est que Dieu entre dans le cœur. Et que l'homme qui est devant, parce que Dieu nous a pas envoyé pour être des gens. Non, Dieu nous a envoyé pour que lui soit vraiment connu. Alors, on ne doit pas répéter dans la bouche que Dieu soit connu alors que dans le cœur, je veux qu'on me connaisse aussi mon nom, qu'on voit, j'ai fait des exploits. C'est des âneries. Pardonnez-moi l'expression. Mais les gens, en fait, les gens n'ont pas compris que dans ce temps aussi, Dieu a donné des dons. On peut être là, assis en train de te regarder. Quand tu parles, même si c'est... On sait quel esprit il y a derrière. Frère, arrivé à la fin de la temps, nous sommes de cela d'être parfaits, frère. Et Dieu ne va pas prendre des gens qui sont imparfaits. Non, puis il ne doit pas nous manquer un don, mais c'est sûr et certain. Alléluia. Non, mais les gens sont toujours en train de voir, oui, je vais jouer avec eux parce que je vais me voir. Non, 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 non. Dieu a déjà travaillé. Il donne des dons. Donc on observe la personne, on comprend, mais derrière sa pensée, c'est même s'il me dit, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Non, mais c'est cela. Alors, ici, Moïse, effectivement, aussi ici, il dit, le Seigneur l'appelle, effectivement, et avec la crainte et le respect qu'il avait, vous vous souvenez, il a ôté ses chaussures et ses pieds, et puis, le Seigneur lui parle, effectivement, pour quelle raison il lui est apparu. Parce que cet homme-là ne pouvait pas, bien qu'il était en Égypte, effectivement, il connaissait bien, fils de Pharaon, parce qu'il passait pas la fille de Pharaon, parce qu'il a élevé, il avait vraiment été là-bas, il avait tout ça, il connaissait bien. Il pouvait aussi sortir, effectivement, dire, bon, comme je connais la tactique là-bas, je vais former une armée à l'extérieur pour aller combattre. Le monsieur, ah non, parce que là, je crois que ce n'est plus mon, et c'est plus mon domaine, j'ai dit, je sors, maintenant je m'occupe simplement des moutons. Dans la paisible, eux, ils sont là-bas, ils vivent leur vie. Ben, moi, je ne peux rien faire. Pharaon est tellement si puissant, je m'occupe de moutons. Vous savez, ce sont des gens qui ne cherchent pas à s'occuper des grands postes, des grandes choses. Mais oui, bien sûr que oui. Parce que c'est que je me dis toujours, je dis, pourquoi dans les églises, les frères ont toujours les désirs de pouvoir quand même, on me voit, je dois faire. Frère. Pour quelle raison? Vous ne sentez pas bien dans les bancs aussi, vous asseoir? Oui, mais vous êtes bien avec des frères, avec des soeurs. On s'assied là, on chante la gloire de Dieu. Évidemment, c'est même parce que ça vous épargne beaucoup. C'est parce que les frères ne sont pas simples. Souvent, quand tu vois un autre frère qui se tient devant, qui apporte un diable, il dit, mais pour moi, c'est, puisque lui, il peut le faire. Alors, pourquoi pas moi, en effet. C'est ça le problème, le saut de conflit, non? Puisque lui aussi, il est un homme, je crois qu'il peut le faire.
Et surtout si vous parlez avec lui souvent, vous allez dire, ah mais je le connais, donc ça dit qu'en fait que moi aussi je peux faire ce qu'il a. Mais ils oublient en fait que humainement parlant, vous pouvez parler avec la personne. Mais la personne n'est pas au niveau où vous êtes. C'est 100% vrai. Et vous le croyez ou pas, mais c'est la vérité. Il n'est pas au niveau où vous êtes, effectivement. Parce que Moïse, par exemple, par rapport à Aaron, il pouvait être le frère d'Aaron. Parler avec Aaron, manger même avec Aaron, mais devant Dieu. Ah non! Que Dieu soit béni. C'est que Dieu te bénisse. Et le Seigneur sait qu'il a dit. Parce que Aaron et Marie ont parlé contre Moïse. Oh, c'est notre frère parce qu'il a fait ceci. Il ne peut pas prendre la femme. Il est comme nous. Ah! Dieu vient et dit, mais ne craignez-vous pas Dieu? Ok. Ah oui, il a repris. Moïse a dit, vous comprenez, mais ne craignez-vous pas Dieu? Et Moïse n'est pas comme vous. Bien que j'étais loin, toi, tu dis, Moïse n'est pas comme vous. Okay, non. Okay. Même s'il mange du pain avec toi ou rit avec toi, Moïse n'est pas comme toi. À mes yeux, il est différent de toi. Et ce que Dieu a placé à Moïse, c'est plus. Mais c'est vrai. Vous connaissez cela. Amen. Aaron disait, oh, mais c'est mon frère. Je peux faire, je veux lui dire, je vais le répondre. Dieu dit, stop, Aaron. Ah oui. Amen. Non, ça les gens ne comprennent pas. Amen. C'est pour vous aussi, frère. Bon, d'ailleurs, nous avons lu combien dans deux chroniques, effectivement. La reine de Saba. C'est vraiment très touchant. En plus, une femme. Et puis on nous dit encore, non, que Dieu soit béni. Une reine. Elle pouvait rester dans son royaume, effectivement, avec son peuple, effectivement, dire que bon, ça, attendez. Mais non, mon frère et ma soeur. Et cette femme, effectivement, étant là-bas, effectivement, il a entendu, il a seulement entendu, hein. Voilà. Et là-bas, en Israël. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Il y a Dieu qui agit là-bas. Amen. Et ce qu'il a fait est tellement si grand. Qu'est-ce que ce Dieu a fait de tellement si grand? Elle pouvait se dire aussi, effectivement, non, je suis reine, et si là-bas en Israël, il y a un roi, moi je suis reine, donc nous sommes dans la même page. Nous sommes donc, ah oui, même niveau, quoi. Donc, nous pouvons parler hein, comme un collègue, parce qu'on se connaît, hein. On va dans un pays, je vais avec moi avant de marioter. Non. Oh là 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 là. La femme a entendu une chose. Il dit, il est roi. Mais il a quelque chose de plus là-dedans. Il n'est pas comme tous les rois, lui, là. Alléluia. C'est ainsi qu'elle s'éleva. J'avais des chameaux, cette femme, une reine. Et parcouru, effectivement, comme à l'époque, qui n'avait pas d'avion, pour qu'il prenne, par exemple, dans la classe business, en tant que reine, là, ou bien un avion personnel, des jets privés, pour aller voir le roi Salomon. Non, c'était des chameaux. Et vous voyez comment les chameaux marchent, non? Donc, cette femme ici, pendant ce chemin-là, en plus, c'est une femme. Et puis il devait souffrir parce que les chameaux, quand ils marchent, ça fait bouger quand même. Et c'est ça les dos, que ça soit ceci. Donc elle pouvait dire, bon, elle a fait même des 100 km. Elle dit, non, en tout cas, je suis fatigué. Je rentre et puis bon, on va peut-être voir comment on peut inviter. Non. Elle avait quelque chose dans son cœur qui persévérait. Ah oui, c'est ça, là, c'était important. Et c'est comme ça qu'il a commencé à pouvoir avancer. C'est-à-dire que même quand même c'était dur et tout ça, mais elle savait qu'il y a quelque chose qui est elle. N'avait pas. Oui, parce que. Et la réalité, mais tous nous sommes des rois. On agit en tant que roi. Mais c'est lui-là. Il y a quelque chose de plus qu'il a. Donc j'ai entendu au Maroc, parce que quand le caravane passait, les gens passaient effectivement dans l'oreille, parlaient, évidemment, on dit oui, à Jérusalem, en Israël. Et ah.
Il aurait pu dire ceci, bon, je vais lui dire de venir. Comme nous sommes donc de collègues dans le règne, quoi. Donc je suis reine et il est roi, je peux lui inviter dans la diplomatie. Qu'il vienne effectivement aussi, comme ça on va s'entretenir en privé. Non. Non, 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 non. Elle a quitté chez elle. Pour aller là-bas, il faut l'humilité. Amen. Mouda sur ce chameau, effectivement, si on a avançant sur ce chameau, elle a quitté là-bas, chez elle. Non, mon frère et ma soeur. Non, 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 non. Ce qui s'est passé avec cette femme ici, cette reine, est marqué dans l'histoire et devant Dieu aussi. Parce qu'en tant que reine là-bas où elle était, donc il reconnaît, même si elle est reine, effectivement, que là-bas c'est Salomon, effectivement, mais c'est un homme que Dieu a donné quelque chose de plus. Non seulement d'être roi, mais lui, il a quelque chose de plus. Alors, je n'ai pas, moi, à pouvoir demander à cette personne-là, parce que déjà, je ne suis pas dans sa catégorie. Bien que roi, donc, je ne suis pas dans sa catégorie. Donc, il est dans une autre catégorie. Amen, 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 amen. Parce que nous régnons, nous disons, mais quand nous regardons effectivement ce qu'il fait, nous entendons. On dit, mais tout le monde dit, mais c'est pas possible. Je suis reine aussi, mais je suis pas capable. Frères et sœurs, c'est une leçon. Et puis, il a pris ses chameaux, comme la Bible le dit. Et ses serviteurs et tout ça, il a parcouru donc le désert jusqu'à ce qu'il arrive. Mais après combien de temps? Quels sont des monts et vallées, les chaleurs du soleil, les douleurs en tant que... Non, que Dieu bénisse. En tant que reine, il a transpiré et tout ça. Vous connaissez, poussière de désert, vous savez, il n'avait pas tout ça qu'il a fait pour Abraham, mais parfois pour les côté des petits jours qui est quelque part. Donc, c'est dit, mais quand même son désir, Dieu soit béni, était d'aller voir ce roi-là. Alors quand il est arrivé, comme la Bible l'a dit, nous pouvons lire effectivement aussi avec vous dans les chroniques, nous pouvons continuer à pouvoir lire cela. Nous comprenons un peu cela. Voilà, des chroniques au chapitre 9. Alors, il est arrivé, la Bible nous dit, effectivement, au verset. Voilà. Je le redis encore. Donc, elle a pris la reine de Saba a pris donc la renommée de Salomon. Elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates. Elle n'est même pas venue à main vide. Des chameaux portant des aromates, c'est extraordinaire. Hein? De l'or en grande quantité. Ah oui. Et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Alors, ce qui est merveilleux, il dit, mais Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. Alors là, elle était donc assise devant, parce que d'abord elle est venue, puisqu'elle a entendu parler. Et puis, elle est venue, effectivement, et s'est tenue dans la présence de la personne. Là, pour voir que combien, bien qu'elle était aussi reine, elle n'est pas venue comme ça pour dire, bon, copain de gal à gal, on s'assied un peu en cause, comme j'ai dit. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça. On s'assied un peu et on cause comme copain. Non, elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue avec beaucoup de respect. Elle est même venue avec des présents qu'elle a dans son cœur. Elle dit, mais un tel homme, un tel roi, par exemple, une telle personne comme ça, mais moi je vais quand même aller comme ça, commencer à causer. Je dois quand même lui montrer que j'ai de la considération, que je le respecte. C'est cela le problème qui manque à beaucoup. J'ai donné seulement un petit exemple, je donne un idée. Il suffit seulement qu'on passe. Bon, il y a des gens qui sont comme cloués, cimentés, vissés sur des chaises. Et on passe comme ça. La Bible nous dit que devant les cheveux blancs, on doit s'élever. Je ne sais pas comment on a éduqué les enfants, mais selon les Saintes Écritures, c'est comme ça.
Tu ne peux pas rester sur la chaise et dire bonjour frère, bonjour soeur, bonjour mon frère. Non, frère et soeur, il faut rééduquer. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il faut rééduquer vos enfants. La manière de pouvoir se tenir. Même en présence de personnes qui sont âgées, comment s'asseoir? Je ne vais pas faire le dessin ici. Hein. Comment on doit s'asseoir? Parce qu'il y en a de ceux qui viennent s'asseoir là, les jambes, là, et puis vous voyez la partie de cuisse. Nous, on ne vous demande pas vos cuisses ici. Mais c'est vous qui devez éduquer les enfants. Il dit, mais quand vous vous habillez, je ne sais pas. Mais moi, je me pose la question, mais quel parent vous êtes? Oui. Quel parent vous êtes? Moi, je vais vous étonner. Moi, je veille et je surveille les miens. Ah oui, jupe, je vais voir. Si, la maman me dit, mais quand même, je dis, oui, oui, oui. Parce que s'il sort de la maison ici, ah, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Si elles mettent, on va dire que puisque c'est le pasteur, et nous aussi on va suivre. Alors c'est ça le problème. Alors j'ai bien sûr que oui. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Moi je ne permets pas de saleté. Je ne permets pas des gens de sortir de chez moi avec des saucisses ici. Pour ça, non, non, non. Si vous voyez saucisses, c'est une révolution. Et moi, je n'aime pas les révolutions. Alors, j'ai coupé les trucs. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, ça, vous devez, je vous informe déjà pour ne pas dire, ah, on suit. Non, 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 non. Moi, ce sont des jupes amples. Et surtout, quand ils doivent venir ici devant. Parce que tout le monde voit. Ah, bien sûr que oui. Frère, nous devons pas. Nous avons une responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité. Ceux de ma maison. Venir ici, parce que vous savez bien, hein? Après, avec des coiffures, avec ceci ou cela, tout les fait. Les... Ah, ah, ah. Moi, non, 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 non. Mais je regarde les gens. Hein? Je regarde les dégâts spirituels de chacun, de frères et sœurs. C'est par leurs enfants que vous voyez. Je regarde simplement, je dis rien. Non, 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 on ne doit pas être là, ma poupée, ma ceci. Non. Et si on doit respecter les frères? Et vous devez vous respecter si vous ne voulez pas seulement dire ah, alléluia, puis laisser le vôtre s'exposer comme des prostituées ou comme des gens derrière avec des pantalons qui sont serrés, 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 serrés. Non, 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 je surveille, je regarde. Ça, c'est pas facile. Je sais que pour les parents, c'est pas facile. Et elle est toujours parce qu'ils disent, ouais, papa toujours aussi dit. Parce que, bon, c'est comme ça qu'il faut aux parents à la maison. Tu cries, moi je t'ai fait venir. Alors là, je pense que les choses changent. Parce que ce n'est pas un lieu d'exposition, de prostitution ici, c'est quand même la maison de Dieu. Et puis vous voulez qu'en fait comme ça, on voit que toute la jambe, on a quand même la jambe, il faut quand même la protéger. C'est pour ça que j'ai toujours dit ceux qui s'assiedent, j'espère qu'ils adoptent des comportements bien. Hein. L'attitude qui est vraiment conforme, nous voit se mettre en fait. Ah oui, ça c'est nécessaire. Alors vous, vous avez vos enfants, vos filles. Parce que vous savez, une fille, quand elle atteint un certain âge, vous comprenez, je ne vais pas faire les détails. Les mamans comprennent. Donc ça monte un tout petit peu. Alors vous qui, hein, donc vous connaissez. Alors serrez. Et puis les garçons. Ça devient à ce moment-là, succès ou quand on va pirater. Et comment ça pourra pas laisser. À ce moment-là, il dit, j'ai envie de me marier, j'ai dit, en fait, ce n'est pas le moment parce que ce n'est que oh, la flamme là, parce qu'une fois qu'il a conçu. Vous connaissez l'histoire du fils de David avec sa sœur. Je sais que beaucoup sont fâchés ici, mais ce n'est pas mon problème. C'est comme cela le problème. Parce que les gens n'aiment pas la vérité, en fait. On ne doit pas vivre comme des hypocrites, hein, comme des gens des églises, je ne sais pas moi de quel nom. Et si nous avons dit, Seigneur, nous te servirons. Parents, vous n'allez pas me détester. Parce que, non, c'est parce que vous ne savez pas, vous. Moi, Dieu m'a accordé la grâce. J'ai dit que je ne dis pas beaucoup de choses, hein, mais je vois ce que vous, vous ne voyez pas.
Vous savez, vous pouvez déposer, parler avec vos soeurs qui sont ici. Je peux les même lever. C'est dernièrement une qui m'a touché le cœur. Elle me dit, si je t'avais vraiment écouté. Alors il dit, mais c'était vraiment ma folie. Si j'avais vraiment écouté, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui où je suis. Mais c'est vrai. Oui, c'est elle d'ailleurs. Que Dieu te bénisse. Oui, 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 oui. Ça m'avait touché le cœur quand elle parlait comme ça. Je dis, Seigneur, oui, Rebecca, vous la connaissez bien. Elle, elle est un peu bouteille blanche. Tu aimes ça que... Elle me dit vraiment, elle me dit, mais tu avais encore qu'elle m'a c'était quoi la folie de cette personne, était petit. Il y avait une expérience. Bon, bref. Oui. Je suis obligé de dire que c'est ce qu'il a. Mais ça m'avait touché, effectivement, aussi. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand on donne un conseil, on te prend toujours mauvais. Hein. Que ce soit les parents, quand on dit votre enfant, on se dit, ah, mais pourquoi seulement mon enfant? Mais non, on sait que si on voit, si tu ne corriges pas maintenant, il deviendra une prostituée. Par cet esprit-là, colle à la personne et c'est fini. Donc, on veille à cela. C'est pour le bien de vous-même. Et pour le bien aussi de votre postérité aussi. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait. Donc, ça veut dire que nous devons rééduquer nos enfants. Leur parler, leur apprendre qu'effectivement, que non, là où nous allons, ce n'est pas un défilé de mode ou une maison d'exposition pour que tu sois... D'ailleurs, si tu dis que tu es la plus belle, non, tu n'es pas vrai. Parce que les autres aussi sont belles. Je suis la seule belle, je suis la belle. Quand on voit dans l'église, dans cette assemblée, il n'y a que moi. Non! Non, 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 non. Il y en a toi, il y en a l'autre, il y en a non, non. Donc, d'ailleurs, toutes sont belles. Et puis aujourd'hui. Bref. Donc, c'est-à-dire que cet esprit-là rentre dans la personne. Il faut qu'on voit, quand je rentre, tout le monde doit avoir les regards. Mais en fait, on comprend que tu es possédé. On a besoin. Non, non, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, on doit prier pour toi. Alors, c'est là qu'on doit arriver à pouvoir comprendre. Alors, elle est arrivée donc avec des aromates. Vous suivez donc, montrant comment, ce qu'elle avait effectivement. Et puis, comme elle était là, elle était donc, c'était donc humiliée elle-même. Et puis maintenant, elle dit, mais on t'a entendu parler. Et ça s'est renommé, parti jusqu'à moi, effectivement, ce n'était pas des histoires, mais je vais quand même lui poser une question. Des énigmes en question, donc personne peut-être dans son contrée ne pouvait pas répondre à cela. Mais elle a peut-être l'idée en se disant que bon, il est un peu spécialisé quand même comme tous les autres hommes. Je veux lui poser des énigmes que les hommes n'ont pas pu arriver à pouvoir résoudre. Parce que quand je le regarde, je dis mais il est humain comme nous. Je pensais que j'allais trouver quelqu'un qui avait... Non, 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 mais il est humain. Alors... Testons maintenant sa connaissance. Elle ne s'était pas bien rendue compte, en fait. Elle ne s'était pas bien rendue compte, évidemment, aussi, parce que le niveau dans lequel, le niveau auquel, effectivement, cette personne-là se trouvait, voilà qu'elle a commencé à pouvoir partir avec des énigmes, des énigmes. Vous suivez? Amen. Mon frère et ma soeur, vous suivez? Amen. Est-ce que d'abord, c'est rentré en vous d'éduquer vos enfants? Donc, quand vous sortez ici, vous souvenez, j'ai déjà parlé de cela, mais c'est toujours au Père Saint-Denis. Vous souvenez, je donne quand même un exemple de mon petit-fils, hein, Solomon. Vous vous souvenez, ne dites pas que ce n'est pas son petit-fils, mais c'est un exemple que j'ai donné. L'autre fois ici, je disais, allez-y dans les garde-robes de vos enfants. Trier, trier. Quelle est la maman? Je ne donne pas la main, hein, mais quel est le parent ou la maman qui a trié dans la garde-robe de ses enfants? Parce qu'on revoit toujours presque la même chose. Amen. Mais mon petit-fils Solomon, il est rentré avec sa maman à la maison. Il dit, maman. Je lui dis, mais quoi? Oui. Ben, à l'église, on a dit qu'il faut qu'on trie les garde-robes. C'est vous dit la vérité. Ma fille est là, vous pouvez lui demander. Il dit, maman, mais c'est pas vrai. Je ne peux pas mentir ici. Hein. Il dit, on a dit qu'il faut qu'on trie la garde-robe. Un petit, hein? Garçon en plus. Il dit, on doit dire, maman, il faut trier. Regarde dans la garde, tout ce qui n'est pas bien, là, il faut. Il lui dit comme ça, hein, tu tries, tu enlèves. Mais c'est pas vrai. Eh bien oui, sa maman a dit. Il dit, non, maman, il faut trier. Il faut que tu puisses regarder si, ce qui n'est pas bon, que je ne dois pas porter à l'assemblée, ce qui n'est pas bon, maman, trie, enlève dedans. C'est un jugement, hein. Mais vous, avec vos filles, c'est toujours pareil, hein. Et ça, on laisse un peu passer les temps.
Une semaine que Dieu te bénisse. Amen. Et on va s'oublier parce qu'on va encore mettre encore d'autres prédications. Et puis, ah, là, 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 là. Et puis vous, ce qu'on avait, j'étais là, on regarde un peu. Ils ont oublié, subu. Mais Dieu n'oublie pas qu'on en a parlé. Ah oui, qui vous a parlé. Et puis bon, les parents aussi font semblant comme s'ils ne voient rien. Ils ne voient rien du tout, ils ne voient rien. Mais vous êtes coupable. Mais oui, ça c'est. Et les parents et l'enfant, culpabilité. Donc vous avez une responsabilité de pouvoir veiller cela, ainsi de suite. C'est très bon. Donc alors nous revenons maintenant. Alors, venons aux énigmes. C'est rentré quand même. Hein? Amen. Que Dieu nous aide. Si c'est vraiment rentré, on verra la prochaine fois. Comment vos enfants vont être habillés, si c'est comment ce que c'est. Parce que c'est quand même nécessaire. On ne rentre pas dans les lieux très saints n'importe comment. Hein? Il faut être habillé de la manière la plus, peu importe les explications que vous pouvez donner, mais nous devons rester conformes. On ne rentre pas n'importe comment. On doit quand même être habillé. Mais c'est aussi comme, si c'est nécessaire, bref. Elle vient donc avec Zénie, qui veut poser maintenant à cet homme, parce qu'il regardait, il dit, bon, je les vois maintenant, je vais quand même voir si vraiment, bien lui est qu'il a, effectivement. Il a commencé avec des énigmes, des choses les plus compliquées. Et puis il regardait ce qu'elle ne rendait pas compte, Pendant qu'elle posait ses énigmes, effectivement, elle se disait, je pose à un homme les énigmes. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, en fait, c'est ce qui était dans l'homme. Parce que, peu importe les études que l'homme peut avoir, il ne peut pas avoir une connaissance. De tout et dans le moindre détail comme ça. Non, ça doit venir de quelque part. C'est pour ça que vous remarquez qu'effectivement, il était en train de pouvoir se dire, je parle à un homme. Et quand elle s'est rendue compte que cet homme-là lui a répondu, lui a donné la réponse dans tout le moindre détail, dont aucune de ses questions n'est restée sans réponse, la Bible dit que la femme était comme ça et hors d'elle-même. Donc quand on dit, tu as été hors d'elle-même, la personne ne contrôle plus. Il dit, mais je ne suis pas en face d'un homme. Je suis en face de quelqu'un, c'est comme un Dieu. Et puis, hors d'elle-même, regardez ce qu'elle a eu à pouvoir déclarer, dire. Nous lisons ici, effectivement, au verset 5. Il dit, hors d'elle-même, elle dit au roi, parce que c'est une chose qu'elle ne pouvait pas dire. Parce que bon, vous savez qu'avant d'habitude, on se retient un peu, parce qu'on se retient de certaines manières, bon, comme je suis aussi reine en autorité, je ne peux pas permettre de dire, mais là, c'était tellement assez extraordinaire. Parce que d'abord, vous vous souvenez comment Dieu a eu à pouvoir démontrer que Salomon n'était pas comme les autres. Et dans tout le royaume. Parce que là, Dieu a placé la barre tellement haute pour que personne, avec ses connaissances, ne puisse même pas résoudre ce problème. C'était deux femmes. Deux femmes. C'est exceptionnel, hein? C'est-à-dire, Dieu a permis qu'elle accouche la même nuit. Donc, elle a un bébé. Vous savez, quand le bébé sonne, par exemple, on ne voit pas beaucoup de différence, hein? Vous connaissez quand même, vous, les mamans, non? Bébé, mais bon. Mais une mère récente. Et ils ont accouché, effectivement, ben, même âge, dans le même terme, effectivement. Et là, la nuit, Dieu est grand. L'une, elle a s'est couchée sous son enfant, l'enfant est décédé. Il ne respirait plus. Mais l'enfant dont l'autre avait, il a bien dormi bien pour ne pas qu'il étouffait. Alors, celle qui avait son enfant bébé décédé, il a vu que l'autre dormait, il a pris les bébés, son bébé mort. Il a mis à la place de l'autre, il a pris l'autre, il est revenu avec, et il a commencé à se coucher. Tout en regardant là-bas, il n'avait pas un sommeil profond. Et regardez toujours là-bas dans l'arrêt. Et voilà que le matin, se réveillant, il avait son bébé toujours vivant dans ses bras. Comme ça, à côté, là, il ne regardait même pas l'autre côté. Puis il entendait, ah, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ton bébé est mort. Et puis il y a la maman qui était là-bas, il dit, oh, c'est bizarre, c'est pas mon bébé. Elle dit, ah bon, il vient d'où?
Il dit, mais nous avons accouché même nuit avec toi, non? Le tien, il est comment? Il est vivant. Il dit, oui, c'est le mien. Il dit, oh, celui-ci n'est pas mon bébé. Ce que la maman connaît. Hein? Ah oui, ça, l'instinct maternel, vous connaissez, non? C'est là, il dit, non, ceci est, il est mien, il est mien, moi, il est vivant, le tien, il est mort. Aïe, aïe, aïe. La maman qui avait les bébés, bon, dit, non, je vérifie bien, il n'y a rien de bon ici. Puis bon, l'affaire est connue de tout le monde dans la ville. Toute la ville, tout le pays, toute la ville s'est rassemblée, effectivement, là, et on a amené les deux femmes. Et c'était toujours le roi qui devait trancher les affaires. D'abord, on a consulté tout ce qui était autour, tout ça, patati-patata, les hommes, tout ça, bon, avant qu'on arrive là-bas au roi, comment résoudre ces problèmes ici? Personne! Parce que ici, comment allez-vous savoir que c'est... Oui, c'est la vérité. Ils ont accouché le même jour, la même période. Et les bébés ont le même âge, mais sont vraiment la même forme, parce que ça devait être plus ou moins identique. Bon, comment savoir que ces bébés ici et de celui-là, et ces bébés ici, c'est... Vous savez que même dans le monde moderne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand un bébé naît, effectivement, on lui met quelque chose au-dessus de nous? Parce qu'on peut le confondre avec le bébé de quelqu'un d'autre. Tu peux, tu te lèves comme ça, on a pris le bébé de Vandenberg, on est venu te le mettre, et puis celui de toi, on a donné à Vandenberg. Parce qu'ils sont très semblables. C'est pour ça qu'on met des couleurs ici. Je pense que les mamans doivent savoir, hein, directement, paf, ah ben oui. Mais là, on n'avait pas mis de bagues pour qu'on connaisse, mais c'était mélangé, évidemment. Puis bon, et maintenant que celle-ci dit, en tout cas, non, l'autre dit, non, le vivant, c'est le mien, le mort, c'est l'autre, effectivement, dit, bon, c'est ce qu'il dit, mais comment résoudre ce problème pour savoir quelle est la véritable mère de l'enfant, qui est la mère de l'enfant qui est vivant, la mère de l'enfant qui est mort? C'est difficile, hein? Aucun homme ne pouvait résoudre cela. Pouvait essayer, effectivement, il pouvait pas, parce que bon, ça, c'est, dans la logique humaine, c'était pas possible, même si tu as fait le doctorat, je sais pas moi quoi, mais il dit, ça, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé maintenant auprès du roi pour dire, ben voilà, roi, nous avons un problème sans solution. Des femmes ont accouché, de même bébé et tout ça, mais bon, on sait pas comment c'est passé, mais un des bébés est mort. La femme qui a le bébé qui est mort, il dit que ce n'est pas son enfant. Que son enfant est le bébé qui est vivant. Et puis, la maman qui est aussi le bébé vivant, elle dit, mais ce bébé qui est mort n'est pas le mien. Bon, maintenant, on va te dire, mais ce bébé mort, il n'a pas de maman, mais quand même, il est venu au monde. De qui est la mère de ce bébé mort? Et de qui est la mère de... Parce que toutes les deux maintenant revendiquent le bébé vivant. Alors, qui est à qui? C'est à ce moment-là que vous ne vous rendez pas compte, quand il y a un don, vous ne saisissez pas, mais l'homme devant qui vous êtes assis, il est passé dans une autre dimension. Oui, monsieur, oui, madame. Il n'est plus dans la même dimension que vous. C'est ça. Comment les choses de Dieu s'opèrent, en fait? Vous vous restez à vous regarder, oui, je suis un homme, effectivement, non, l'homme n'est plus ce que vous voyez. Les dons se manifestent. Alors quelque chose maintenant prend place dans Salomon. Oui, monsieur. C'est sûr. Et voilà que l'inspiration lui est donnée parce que dans cette dimension, il est monté, il lui a montré ce qu'il doit faire. Alors tout le monde regardait, ah, ici le roi ne sera pas arrivé parce qu'on a demandé aux conseillers, par-ci, par-là, il n'arrive pas. Mais les conseillers ne sont pas considérés au même niveau que le roi. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu a fait de lui n'est pas ce qu'il a fait avec les conseillers. Alors, contre toute attente, ils étaient d'accord, ils disent, mais bon, on ne sait pas résoudre ces problèmes-là, bon, renvoyez-le. Non, il leur dit... Et cet enfant, donc, n'a pas de mère. Donc, ça veut dire que celui-ci, ce bébé qui est mort ici, n'appartient à personne. Il n'y a que le bébé qui est vivant. Donc, vous deux, si maman, vous revendiquez. Donc, ce bébé vivant appartient à toi, puis le bébé appartient à l'autre. OK. Amenez l'enfant ici. J'aime Dieu. Alors, les gens disent, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a, comment il va résoudre? Mais en fait,
quand Dieu est avec une personne. Amen. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est plus l'homme en fait. C'est la vérité cela et c'est 100% vrai. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, que Élisée, quand il est descendu, lorsqu'il était avec Élie, qu'Élie est monté. Vous suivez? Amen. Les fils des prophètes qui étaient donc là à Jéricho, qui attendaient finalement vis-à-vis, qui ne sont même pas traversé le Jourdain. Vous connaissez cela? Amen. C'est nécessaire. Quand ils l'ont vu revenir. Il disait, oui, sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Il a dit quoi? J'ai laissé taisez-vous. Il le savait, mais il restait toujours là. Mais c'est ça. Quand Élie devait traverser le Jourdain, il a parlé à Élisée. Bon, enfin, bref. Mais quand il est revenu maintenant, les fils du prophète disent, ah, sais-tu que... Ils savaient que le maître allait être enlevé. Bon, madame me dit, mais, ah, le Seigneur l'a pris, et puis il l'a laissé sur une de montagne. Laissez-nous aller, 50 personnes. Laissez-nous aller pour pouvoir le chercher, pour le reprendre. Bon, Élisée le regardait. Il dit, mais ce n'est pas nécessaire. Il dit non, c'est quand même nécessaire qu'on aille quand même le prendre parce que le Seigneur l'a laissé quelque part. Il est peut-être... Donc il a pris, après il est tombé, il a laissé quelque part. Il dit, mais n'y allez pas. Bon, ils ont insisté, puis il a dit, bon, allez-y. Ils étaient 50. Ils ont cherché sur le montagne, ils ont cherché un bâton sur le montagne, voilà. Et puis ils sont revenus. Nous ne l'avons pas trouvé. Il dit, mais ne vous laissez pas dire. Je vous l'avais dit, mais vous ne voulez pas écouter. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En rentrant, c'est qu'il y avait quelqu'un à qui on avait donc prêté le marteau. Vous y allez? Amen. Donc, ils devaient battre, effectivement. Mais alors, en tapant avec le marteau qu'il avait emprunté, la masse là en fer, la grosse masse là, s'est détachée et est tombée dans l'eau. Boum, boum. Alors, le monsieur, on appelait, ah, on m'avait prêté ça, je ne sais pas comment je vais faire, c'est la masse d'autrui. Vous connaissez l'histoire? Élisée, après être revenu, c'était plus le même. Hein? Frères et sœurs, il faut faire très attention. Dans la pensée, dans la comparaison, on se dit qu'on est capable, mais il faut faire très attention. Et alors, quand Élisée est descendu, effectivement, donc, il regardait, parce que d'abord, quand il a dit n'y allait pas, ben, ils n'ont pas voulu obéir. Hein? Ils sont quand même allés, ils ont trouvé que ce qu'il a dit était vrai. Et maintenant, quand le marteau est tombé, effectivement, dans l'eau, il dit, comment je vais faire maintenant, comment il fallait trouver des plongeurs pour aller chercher la masse avec les aimants, on ne savait pas comment faire. Et qu'est-ce qu'Élisée leur regardait? Il voyait la personne. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Un bois. C'est un petit morceau de bois. Tu penses que c'est ça? Il a pris ce morceau de bois. Vous savez le bois? Un petit morceau. La masse était grande. Il est dans le fond là-bas. Amen. Oui. Il faut avoir du respect pour Dieu. Il prend le morceau de bois, il jette dans l'eau. On se disait, mais morceau de bois, on sait que le bois va flotter. Mais qu'est-ce que le morceau de bois va faire? Il est resté tranquille. Qu'est-ce qu'on a vu? Le morceau de bois a fait soulever le marteau. La grosse boule de fer, là, avec un petit morceau de bois, il a fait sortir le fer à l'extérieur. Il dit, prenez la masse. Il avait les yeux comme ça. Bien sûr que oui. Comment savait-il que je vais aller laisser le bois à l'intérieur? Toi, tu l'as conseillé? Parce que souvent, les gens sont comme ça. On doit conseiller, on doit... Frères et sœurs, attention quand même avec les conseils. Parfois, il pose des actes. Je donne un exemple. On avait des conseillers. Non, Élisée, ne fais pas comme ça. Parce que d'abord, ils avaient d'abord la leçon, hein. Ils sont partis dans la forêt pour aller chercher Élie, ils n'ont pas trouvé. Je l'avais dit. Bon, maintenant, là, je crois qu'ils n'ont pas pu conseiller. Pour dire, bon, on va prendre peut-être des grands bâtons, on va peut-être descendre pour creuser comme ça à l'intérieur. Il dit, non. La première fois, on lui a donné des conseils. Ben, il nous a dit, bon, suivez votre conseil. Alors, moi, j'ai dit, ben, vous ne suivez pas et suivez votre conseil. C'est souvent ça, en fait, le problème. Oui. Et là, maintenant, paf, boum, c'est la masse avec un petit bâton qui a fait flotter la masse juste au-dessus. Alors, scientifiquement, scientifiquement, expliquer. Mais expliquer, scientifiquement, parce qu'on dit la science explique tout, la science explique tout, la science explique tout. Un petit bâton qui me fait monter une masse peut-être des 30 ou 20 kilos, j'en donne un exemple, mais un petit bâton de rien du tout, soulever la masse, expliquer.
savez, c'est que Dieu est Dieu, en fait. On ne peut pas comparer Dieu avec la science. Même si on vous a démontré A plus B, effectivement, c'est comme ça qu'il a dit, mais bon, chez A plus B, ou bien 1 plus 1 égale D, mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça, c'est considéré. 1 plus 1 égale 2, c'est ce que la mathématique nous dit, non? Vous suivez? Mais regarde chez Dieu ce que ça donne. 1 plus 1 est égal à 1. Bien. 1 plus 1 pour Dieu est égal à 1. Pas à 2. Il n'y a qu'un seul Dieu. Moi et le Père. Moi et le Père. 1, 1, ça nous donne un. Ou alors? Ça, c'est la mathématique de Dieu. Différent de votre mathématique qui donne 1 plus 1 égale 2. Mais chez lui, c'est 1 plus 1 égale 1. Voilà. Bon, nous retournons ici. On nous dit que hors d'elle-même. Alors là, c'est monté. Il me dit, mais là, d'abord, on termine d'abord avec les enfants. Hein? Ah oui, pour terminer. Bon, je ne vous pas longtemps. C'est parti. Il dit, capitaine. Oh. Parce qu'à côté du roi, c'était les gardes. Avec les armes. Bon, il dit, amenez l'enfant. C'est-à-dire que peut-être on s'attendait qu'il puisse prendre l'enfant. Il dit, bon, moi alors, si toi tu n'es pas la mère, toi si tu n'es pas la mère, tout le monde revendique, moi le roi, je vais l'adopter. Ouais, ça va être comme ça. Hein. Je l'adopte et puis plus de problème. C'était simple. Hein. Mais ça n'allait pas solutionner le problème. Alors il dit, puisque cet enfant, alors il dit à son capitaine qui était là, il dit, capitaine, prends l'enfant. Le capitaine prend l'enfant, alors il pose encore la question, cet enfant est à qui? À moi! À moi! Donc les morts, ils n'ont pas de parents. Ok, capitaine, tu as l'enfant, la main dit, oui. Il dit, prends ton épée. Alors les gens se disent, mais le roi est devenu malade. Parce qu'il ne s'est pas solutionné, alors il a pris la solution extrême. Mais c'est ça le problème, hein? C'est ça toujours le problème. Il ne s'est rien fait. C'est comme ça que le peuple d'Israël était avec Moïse. Hein? Oh, Moïse, oh, mais quel conducteur. Mais il n'y avait pas des choses là-bas. Vous connaissez ça dans ce cancionnaire, il n'y avait pas de tombeau là-bas en Israël. Et en Égypte, il n'y avait pas des oignons. Tout ça. Il ne sait absolument. Et puis il nous a amenés devant la mer rouge, effectivement. Mais, et là derrière, c'est Pharaon qui vient, mais c'est terminé pour nous. Il fallait nous laisser là-bas être soumis au Pharaon. Toujours comme ça. Problème avec les hommes. J'espère que vous êtes réveillés. Amen. J'espère que vous m'écoutez. Amen. J'espère que c'est rentré en vous, Amen. Que ça rentre encore. Amen. Capitaine prend l'épée. Vous voyez que là, c'était pas l'homme qui parlait. Parce que il a fait sortir la bouche, effectivement. Capitaine, prends, il veut dire prends la lance. Oui. Ah, oui. Amen, amen. Ou bien prends la flèche. Vraiment, alléluia. Ah, amen, amen. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Oui, monsieur. Qui sont de quoi? Les reins. Oui, bien sûr, effectivement, les secrets du cœur. L'épée de l'esprit. C'est écrit dans les Hébreux, chapitre 4. Vous voulez lire, hein, parce qu'on peut dire, il nous dit des choses, effectivement, dans sa pensée, dans sa tête. Vous me supportez encore un peu? Amen. Merci beaucoup. C'est important. Ah là, Hébreux, chapitre 4, c'est ça. Oui, voilà. Hébreux, merci Seigneur. Chapitre 4, hein, au verset 12. Vous y êtes? Alors on dit que car la parole de Dieu est vivante, toujours, hein, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, qu'est-ce qu'elle fait? Pénétrante, jusqu'à faire quoi? À partager âme et esprit, jointure et moelle, elle fait quoi? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert. Donc, elle juge, n'est-ce pas, hein? C'est-à-dire que non, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça qu'il a appelé le capitaine. C'est ça. Amen. Il dit pas prends la flèche ou prends la lance. Non. Amen.
connaissais quand même dans ce que j'étais. Il nous a dit effectivement dans je pense que c'est dans Éphésiens chapitre 6, non, je pense que c'est cela, non? Vous connaissez, non? Les casques du salut. Vous connaissez. Amen. Et puis après, il nous dit, prenez pas sur l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu. C'est écrit, hein? Ça, vous le savez. Donc, il est capitaine. Prends donc ton épée. Il dit, mais capitaine, on prend l'épée. Ce n'était plus l'homme, là. Les gens ne comprenaient plus rien. C'était Dieu en action. Donc, les dons se manifestaient. Prends l'épée. Il dit, bon, prends l'épée. Il va aller à la guerre ou quoi? Ça se pose la question. On ne voit pas qu'est-ce qu'il va arriver. Il dit, mais il prend l'épée, c'est parce qu'il doit prendre la guerre. Non. Prends l'enfant. Il dit, je tiens l'enfant. Il dit, bon, puisque l'enfant appartient à la maman ici, à là, et là, cet enfant appartient aux deux, non? Eh bien, coupe l'enfant en deux. L'ordre du roi était ferme. Hein? Oui. J'aime Dieu. Il est vraiment... Quand Dieu est en action, le don est vrai. Soyez en paix. Vous écoutez simplement et agissez. Alors c'est un pense à la tête du mec, mais c'est pas possible. Le roi a perdu raison parce que c'était un climat difficile. Maintenant il veut couper. Non. Le roi, c'était plus la personne, c'était Dieu dans le roi. Quand il a donné l'ordre, Dieu contrôlait la main du capitaine pour ne pas arriver à couper l'enfant. Parce que vous faites dire. Non. Allez, bien sûr. Capitaine, coupe la main, l'enfant en deux. Mais puisque la parole qui est sortie avait une pensée, monsieur, il bloquait tout. Même les bras du capitaine. Oui, monsieur. Parce que l'ordre était donné, coupe tout. Mais le capitaine, les bras. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, capitaine? La parole de Dieu. Éprouve le cœur. Alléluia. Oui, monsieur, il faut du respect, frère. C'est pas de la camaraderie. Il s'agit de ton âme et de ton salut à toi. Alléluia. À ce moment-là, quelque chose s'est passé. On entend un cri. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu de Dieu soit béni. Il dit arrête. L'autre, il dit non, coupe. Oh! L'épée de l'esprit, les sentiments de cœur sont dévoilés. Oh oui, monsieur, oui, madame. Amen. Il avait un couple, il dit non, arrêtez. Il dit, mais pourquoi on doit arrêter, madame? Il dit non, donnez l'enfant à elle. Donnez-lui l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'enfant vive. Il dit pardon, mais que l'enfant vive. Qu'elle prenne l'enfant. Le disait non. Qu'on coupe, ni moi ni elle, on n'a plus d'enfant. Alors Salomon dit devant tout le monde, voici la mère de l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame. Ça, c'est un don en action, mon frère. Sous le contrôle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, mon âme te loue et te glorifie pour ta bonté, mon Sauveur. Pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir encore pour ton Père en ce jour et dans ce temps où nous sommes, mon Sauveur, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons avancer avec toi, nous voulons vraiment être conduits et éclairés par toi encore davantage, mon roi. Il s'agit de ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, il s'agit de ton œuvre, mon roi. Dans ce temps où nous vivons, tu as vu, Père Tubissant, la confusion qui devait régner, Père Tubissant, de par le monde, mon bien-aimé Seigneur, Dieu. Et les gens sont, mon Père Tubissant, Dieu, agités à gauche et à droite, mon bien-aimé Père Tubissant. Mais tu es le Dieu qui nous a parlé, bien-aimé Père Tubissant. Tu es le Dieu qui éclaire encore davantage, mon roi, qui démontre que tu n'as pas changé, mon bien-aimé Père Tubissant. Nous voulons demeurer réellement, Père Tubissant, dans ta parole à toi. Nous avons confiance, bien-aimé Père Tubissant, et nous sommes heureux, mon roi, et nous nous réjouissons de ta grande bonté, de tes grandes compassions, mon Seigneur. Et encore un jour de grâce.
mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, tu nous donnes encore du temps pour nous repentir, mon bien-aimé Père Tibissant, dans notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans nos maisons, Père Tibissant, oh Dieu, bien-aimé Père Tibissant, et avec nos enfants, avec ce que nous avons, Père, je t'en supplie, oh Dieu du ciel, viens-nous en aide, mon bien-aimé Père Tibissant, secours-nous, oh notre Dieu, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons revenir à toi, et cela de tout notre cœur, mon bien-aimé Père Tibissant, et agir effectivement comme tu le veux, conformément à ta volonté, à toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Seigneur, c'est ce que toi tu dis. Oh merci, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, pour tous les dons que tu as donnés, bien-aimé Père Tibissant. Merci encore, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, parce que tu n'as pas changé, mon roi. Tu n'as pas oublié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Jusqu'aujourd'hui encore, tu continues encore à agir, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh, aide-nous à avoir la quinte et le respect, Seigneur. Oh Dieu, n'est pas entravé ta marche à toi, bien-aimé Père Tibissant. Oh, que ton nom soit cet ordre que toi tu veux qu'elle soit, bien-aimé Père. Nous voulons vivre pour toi, mon sauveur. Merci. Merci, Sauveur. Pardonne-nous, Père Dieu. Voici les temps, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Voici ton temps, mon bien-aimé Père Dieu, pour que tu puisses réellement prendre le contrôle. Quand nous voyons cet âge, mon précieux Seigneur et Sauveur, tu as été toujours mis en dehors, Père Tout-Puissant, à l'extérieur, à l'intérieur. Les gens se réjouissent pensant que tu es là, mais tu es rejeté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons que tu viennes, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous acceptons ce que toi tu fais, Seigneur, oh Dieu, comme tu as fait avec Moïse, comme tu en as fait avec d'autres, Père Tout-Puissant, oh Dieu. Nous te disons merci encore. Nous voulons revenir à la foi de nos pères, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous réalisons ça, mon bien-aimé Seigneur. Oh, parce que les Juifs n'ont pas reconnu ce que toi tu étais, bien-aimé Père. Seigneur, ils ont été rejeté, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous implorons ta grâce, mon sauveur. Nous te supplions encore davantage, mon roi. Puissions encore nous soutenir, Père Saint-Dieu. Puissions encore nous aider, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous voulons vraiment être conduits encore davantage par toi et éclairés par ta main puissante, mon roi. Seigneur, viens travailler. Viens agir encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous t'implorons la grâce. Sainteté à l'éternel, notre Dieu. Et agis encore, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Oh Dieu, comme, oh Père Tout-Puissant, ton serviteur pour la punir. Oh, Père Dieu, je suis libre du sang de vous. C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, notre Père Tibissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu es réellement notre Dieu. Soutiens ton peuple, mon roi, qu'il revienne à l'ancien évangile, mon bien-aimé Père Tibissant, et à marcher en conformité avec ta parole, mon sauveur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore, mon sauveur. Et je te remercie. Merci, merci. Tu es Dieu et tu es roi, et nous te rendons gloire et honneur encore. Merci pour tout ce que tu fais, oh, pour tout ce que tu es en train de pouvoir faire et ce que tu feras encore davantage. Je te loue, mon bien-aimé Père. Merci, parce que tu es réellement le roi. Tu es le seul bien-aimé Père Tout-Puissant, oh Dieu, oh, qui agit encore davantage encore en ce temps. C'est vrai, Père, tu es le plus élevé, mon Seigneur Jésus, parce que tu es la sagesse. Bien-aimé Père Saint-Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, mon bien-aimé. Bénis ton peuple, mon sauveur, et accorde la grâce, le soutien, le secours. Oh, Dieu du ciel, merci, merci, sauveur. Merci, merci, sauveur. Oh oui, mon sauveur. Nous voulons simplement nous humilier devant toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci, sauveur béni. À cause de nos grâces, merci. Merci, merci, mon sauveur béni. Nous avons besoin de toi pour que tu nous aides encore à pouvoir être dans cet ordre, Père Tout-Puissant Dieu, ce respect, la considération, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, à cause de ton nom. Merci parce que nous suivons ce chemin sur lequel tu nous as placés. Oui, le chemin de l'ignominie, de l'opprobre, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Oh, Dieu du ciel, merci. Puisses-tu nous aider. Puisses-tu encore nous fortifier, nous recevoir. Nous voulons rester comme tu veux que nous soyons. Oui, Père, merci encore. Gloire à toi. Oui. Merci. Merci, Seigneur. Merci, merci. Bénis notre frère. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, mon roi. Merci, mon Père. Gloire à toi. Que ton nom soit béni, mon Père.
Je voudrais que nous, je pense que c'est la chorale qui a chanté cela. Et puis, je voudrais aussi que mon frère ici, Nathan, s'il est là, qu'il nous chante quand même pour tout ce que tu es, n'est-ce pas? Devant le trône du Très-Haut, vous vous levez un peu. Vous le connaissez? Que Dieu vous bénisse. Mon grand, tu peux venir. Nathan, il est là. Ah bah oui, merci. Après, tu peux passer. Merci. Merci. Me condamne.